en espérant que cette journée vous soit très agréable et surtout que vous soyez très généreux envers nos charmantes hôtesses, au gré de vos moyens. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonne journée. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le monde des voitures anciennes. Le frère de Pierre avait trouvé une solution radicale pour la restaurer. Il faut la mettre au feu pour se chauffer cet hiver. Lors d'un défilé dans les Pyrénées, tout en roulant, un monsieur s'installe sur le marchepied de la voiture et nous l'avons transporté jusqu'à la tribune officielle. Et ce monsieur n'était autre que le ministre de l'époque, monsieur Bayrou. Maintenant, nous allons nous diriger vers le bord de la route, pouvoir passer une prestigieuse randonnée auto-rétro. Mesdames et messieurs, ici se termine notre visite. Passez une bonne journée. Très bon. Très bon. Je pensais que c'était gratuit. Non ? Ok, monsieur. La visite vous a plu ? Oui, énormément. Excusez-moi, plaisir, madame. J'ai pas emporté mon sac. Au plaisir de c'était vous revoir. C'était très bien, mais là, je n'avais pas pensé. Oui, très très bien, mais j'ai pas pensé à amener de l'argent. Excusez-moi. Bonjour, Père Anselme. La visite vous a-t-elle plu? Très belle visite et intéressante dans tous les domaines. J'espère que les visiteurs vous ont largement récompensé. Comme vous pouvez le constater, Père Anselme, pas une seule pièce dans notre chapeau. Vous pourriez peut-être faire un miracle, Père Anselme. Je peux toujours vous bénir, mes sœurs, pour que le Seigneur vous garde longtemps. Mais maintenant, de là à faire apparaître des pièces dans vos chapeaux... Oh. Venez, l'enfant, que Dieu vous protège. Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Mon elles sont mon ensorcelées. Mon chapeau, oh mon Dieu, mais que oh, se passe-t-il? Que Dieu vous protège. Oh mon Dieu, mais mon chapeau, mais mon chapeau, mon chapeau, c'est pas bien possible, frère. Oh, Père Anselme, s'il vous plaît. Oh, mais ce château est hanté. Oh, Père Anselme, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez vraiment fait? Père Anselme, qu'est-ce que vous avez fait? Père Anselme, mon Dieu, mon Père Anselme, qu'est-ce que vous avez fait? Oh mon Dieu, oh là là, mon Dieu. Mon frère, ma soeur. Oh, regarde, Rosemonde, il y a encore des visiteurs. Regarde, il y a encore un visiteur. Et il nous faut trouver un peu d'argent. Si on l'invitait à passer un bon moment. Oui, bien sûr. C'est une bonne idée. Je vais m'en occuper. Sinon, on va à la faillite. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Appelez-moi Philibert. Vous êtes le dernier visiteur? Vous vous êtes égaré? Non, pas du tout.
Au contraire, j'ai dégusté toutes ces belles choses. Mais, au fait, je ne vous ai pas vu pendant la visite. Si, si, nous étions là. On a juste changé de tenue. Mais, vous êtes encore plus jolie dans ces tenues. Puisque nous sommes seuls, on peut se tutoyer. N'est-ce pas, papy? Je m'appelle Rosemonde. Philibert, tu viens de me dire que tu me trouvais très jolie. Aussi, je te propose de venir passer un bon moment avec moi. Mais, Rose... 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 Rosemonde! Tu sais, je n'ai plus très bonne mémoire. Et ce n'est plus de mon âge. Elle est si petite. Ne t'en fais pas, Philibert. L'âge n'y est pour rien. Allez, viens! Allez, viens! Tu ne le regretteras pas. Mais non! Je te dis que je n'y arriverai plus. Elle est tellement, tellement petite. Petite? 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 Mais elle va grandir! Et très vite! Tu t'en rendras même pas compte. Allez, allez, viens, Philibert, viens. Mais, franchement, elle est toute petite. Il faut pas aller trop vite. Car c'est une affaire impossible. Elle est si petite. Bon, allons-y puisque tu insistes, mais je t'aurais prévenu. Attendez! Oh, elles sont là les châtelaines! Châtelaine, allez Philibert, viens. À tout à l'heure, Brunissandre. Tu viens, Philibert? Rosemonde, comment ça se passe? Tout va bien? Ça va, Brunissant. J'arrive. Tu te rappelles, tout à l'heure, quand Philibert nous disait qu'elle était toute petite. Mais regarde dans quel état il m'a mis. Je n'en peux plus. Je suis sur les rotules. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Quelle blague!
Après plus d'une heure de réjouissance, j'espère qu'il va se montrer généreux. Ah, voilà Philibert. Rosemonde, il y a une voiture vient d'arriver. Une superbe voiture. Alors, Philibert, tu as passé un bon moment? Excellent moment et à recommencer. Mais tu es un vrai blagueur, Philibert. Elle était soi-disant toute petite. Tu t'en rappelles de ce que tu nous as dit tout à l'heure? Maintenant, je comprends que tu n'étais pas pressé. Cela fait plus d'une heure. Alors je crois que j'ai bien mérité une bonne récompense. N'est-ce pas, Philibert? Lorsque je t'ai dit qu'elle était toute petite, eh bien maintenant, si tu ne m'interromps pas, je vais pouvoir finir ma phrase. Et ce n'est pas une blague. Et je te garantis qu'elle est toujours petite. C'est ma retraite qui est toute petite. Et maintenant, je ne peux pas te payer. Monsieur le comte, je vous en prie. Chercher son vélo. Je vais le mettre au pied du mur. Je vais lui remonter les bretelles à ce goujat. Rosemonde, Rosemonde, arrête, arrête de t'énerver. Arrête de t'énerver. Viens, viens voir ce qu'il a écrit dans le panier. Cadeau. Philibert, comte de Bigorre.